Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Bonza, le bienvenu dans GCAM Télévision, fidèles abonnés, chers téléspectateurs, na Pesibino, Matondo Mingi, Lokola na Momesano, Pona Boponi na Bino, ya chaîne Oyo, GCAM Télévision, à travers émission na Bino préférée, Debout Congolais, na Lobaka Debout Congolais, Ezali, plateau ya vérité, Debout Congolais, Ezali, plateau ya ba hommes et femmes éclairés. Bato yo ba lona kongo na motema na bango bato yo ba simba bendele bazalaka FARDC na motema mbote mingi epa ya papa Gérard Kabe apesaka biso privilège ya koprésenté émission oyo na étando ya GCAM Télévision mbote pe epa na bino balandi bisika nyonso bozwami à travers mokili mobimba samba olonga pesi bino matondo mingi pona confiance bozo pesa ye. Pour même la rabino, basango ya maïnion se le kaka na kati ya République démocratique du Congo pe na dinga dinga encore une fois. Boza le bienvenu na kati ya plateau oyo. Kasi lokola na momesano, nazalaka na tradition ya ko rappeler bino ete justice ya Nzambe erataka moto moko te a échappaka na contrôle ya justice ya Nzambe. Soki oko échappé solo na vigilance topé na contrôle ya justice ya mokili yeba ya Nzambe moto moko te a échappaka nango. Tôt ou tard nous finissons tous par payer les prix de nos actes. D'une autre manière, nous ne récoltons que ce que nous avons semé. Yomi bengaka ganki malam, yomi bengaka na yo risé, yomi bengaka na yo malin. Mais yeba ke ganki aleki ba ganki azali malin o aza au-dessus de tous les malins azali. So ki biso toko futi sa yo te makambo yo sala kanase yeba ngo e pa na Nzambe même dans l'au-delà tu finiras par payer. Voilà pourquoi je vous appelle na sala ka appel mbela o ya conscience ko yebisa moto nyonso ya bo émission yeba nda ete tika ko sala mabe so ko sala kango tala na balance na yo mabe to malamu moto eleki so ki mabe ya koleka yebo za moto ko kufa na koti mbango. Na kati ya actualité oyo eminga liboso na bino mokolo ya lelo ya liboso ezali arrestation ya général Yav Moulang Philemon oyo azali déjà transféré na makala na pavillon 8 ba conséquence ba circonstance oyo ezali été azala transféré pa kangama direct ba memayé na prison centrale ya makala pe information toyo ko yebango na retard. Nous allons chercher à les savoir tout au long de cette émission. Pour nanini bakangi général Wana, pour nanini aoutaki sika kozala nommé, et qu'est-ce qui a fait que azala directement transféré puis a se retrouver na makala. Ba suspicion ya kolobe ezali ete bazalaki ko planifier eloko ya mabe, bazalaki na makambo moko minene ya mabe balingaki basala. Nous allons les savoir avec vous tout au long de cette émission. L'actualité, ce n'est pas seulement le général Yav. Mais c'est aussi ces général, je ne sais pas, oui, le fait général de brigade Tshinkobo Mulamba Ghislain. Bautaye ko nommé na ko nommé na ko kufa. Autopsie et outil bon kota le sake akufa ki na poison. Bakangi pe moko ya batu oyo bazalaki commanditaire ya iloko esalaki que général Nabiso oyo mapinga ya basoda sika sika bauta ekonomi a perdre vinaye na empoisonnement bande ko likambo ya poison ezali ko retarder avancement ya République démocratique du Congo ezali ko sala ete makambo ebele e kende liboso te sur tous les plans bato bakoma ko banga même kokota na bureau pona ba poison. Nous allons en parler tout au long de cette émission. L'actualité c'est aussi la société civile du Nord Kivu qui annonce qu'elle va organiser des actions de grande envergure à partir du 26 septembre pour exiger le départ de la MONUSCO, mais aussi à Kinshasa, délibérer la cité de Bounagana sous l'emprise des rebelles du M23. Société civile, basali sous na kanda, maloba oyo, boyoka ki awa, basila ki koloba yango,
Nantono Guterres na émission Elanda qui épaisse que les sous bateau kanda épaisse bateau fièvre. Tu es bien que bateau basile car qui pona maloba oh il a qui sait que Monusco a zali inutile na boka na biso. Bali ko sala nini maloba Antonio Guterres etindi bandeko na biso ba organiser les sous manifestation. Qu'est-ce qui peut se passer? Nous y reviendrons vraiment avec beaucoup de détails tout au long de cette émission. L'actualité ne va pas aussi seulement s'arrêter là. L'actualité, c'est aussi les travaux de construction du bâtiment devant arbitrer les sièges du ministère de la Défense. Tout le monde est là, c'est Tata Molière. Ministre de la Défense a quitté na Kankokolo. Pour qu'il y ait supervisé, bah, travaux, et la réponse, mon ressemble à quel est les bah, travaux, il y a bâtiment, mon néné au basali, kotonga, na kan kokolo, y a un quoi arbitré, ni siège, il y a ministère, il y a défense, pe bah, bâtiment, mon sous-soit administratif, et ça l'a concerné, ministère de la défense, pe anciens combattants. Nous y reviendrons avec beaucoup de détails tout au long de cette mission. L'actualité, c'est aussi les discours tant entendus autour de l'Anda Kalamingte. Il y a le président de la République à Kolobelango Lelo, dans la tribune, il y a Nations Unies, dans le Bela qui, Oyo, bande qu'on a vu sur diaspora, États-Unis, Sengeli Bosala, Mokili Mobimbe, Sengeli Bayoka, son, qui a solo, bah, Congolais, bah, en colère. Pour ça, la diplomatie, c'est salement pour nous sauter. Nous, Congolais, ne devons pas être diplomates, nous devons être en colère. Voilà, vous êtes le bienvenu sur le plateau des Bouts Congolais, plateau Wapi Baimoka, plateau Yaba Compatriote, plateau Yabato Oyobamema Congo Namotema. Soki Yasolo, vous allez faire des scènes Namotema. Abonnez-vous d'abord à cette chaîne pour être membre de la famille des Bouts Congolais. Partagez nos émissions. N'hésitez pas de liker, de commenter, surtout envoyez-nous vos suggestions. Si vous voulez aussi soutenir cette émission de Bouts Congolais, pour être bendele et continuer toujours côté les mains à travers Samba Olonga. Le numéro est en bas de votre écran. Bokomelangé Bele, vous continuez ko tunanga mituna numéro wa na sa etando oyo numéro wa nezaka ya Samba Olonga. Justice Mouchame sou na vrai nom. Voilà, je retourne à l'actualité qui m'a amené devant vous aujourd'hui, comme je venais de l'annoncer. Au sommaire, le colonel, le général Yav Moulang, ndenge bozako mona photo na ye na kati ya image oyo ndenge bozomo na photo na ye malamu général Yav Moulang na makala. Certainement, ça fait froid au dos. Moto oyo tozali ko mona ba utaye ko nommé sika chef ya ba opération yo se za ko concerner M23. Tout ça là qui m'a quitté les a au côté les satans ou banu magié qui est là c'est qu'à ou à mesure à ce que je vois mais à titre de rappel ma opération militaire où est là qui côté la base zone Oyo ma pays ma province Oyo est allé sous état de siège les bosso est là qui ma gouverneur militaire mon tout là qui au commandé à vous c'est après qu'il a été pris la décision à partir du gouvernement, à partir de la présidence de la République, qu'il faut séparer gestion administrative et province na commandement militaire et opération. C'est à ce stade-là que ba longola qui ba déchargea qui ba gouverneur militaire na ba tâche au exact concerné ba opération militaire sur terrain. Né yango et cela qui est ba nommé général Yav Moulang comme chef commandant, il y a ma opération où Ezali s'est menée sur le terrain contre les M23. Il y a pour cas moi Ezali que nous avons tous été surpris, vous et moi. Dengue bozako monango, koyoka na basango été général Yav Moulang Azali déjà na prison à Makala. D'après les sources d'information, arrestation général Yav Moulang Azali qui déjà été auditionné il y a 3 semaines. Avec d'autres officiers supérieurs avant d'être incarcérés le 19 septembre, les autres officiers ont été remis en liberté. Yekakande akendaki makala. Selon la source officielle dit que Balobi ke ezali pona haute trahison. Donc,
avant biso toya koyeba ndenge ba incarcéré le 19 septembre déjà 3 semaines avant déjà basi ba dita ki bango bazwa ki bango na singa. D'où se trouve la complicité? Tant que la réforme et l'armée, bande de rebelles, va communiquer un message. Vous obtenez de l'angaba message kili kili. Président Azako oume la troupe. Président pour nommer Batu. Alongola ba traître. Acha bana boka. Armée wane tondi ba infiltré. Il y a un monsieur qui fait des vidéos. Soka zo sa il a mis nos vidéos. Nous avons autant de militaires infiltrés. Dès que nous avons tout le monde qui a vu la vidéo, il y a une vidéo. Il ne faut pas s'habituer à vendre la bateau parce que ça. Tout le mensonge, je le gars trop dans ma toile, tu finiras par accepter ça comme une vérité. Alors, ne vous laissez pas piéger, on a des conseils gratuits à vendre la pémène, à moto à boucle à l'okota ming. Parce que tôt ou tard, tu finiras par être faible à ces mensonges. Et à un moment, il faut s'imposer l'esprit comme vérité. Pour finir par accepter bilo ko musa ko banda ko lo bana yo parce que le cerveau humain a une certaine fragilité qui fait que ce qui osa exposer mingi na makambwana finalement tu finiras par accepter soit directement ou indirectement makambwana pe za lokola ngongeza ko beta ko rejeta kaka te za na makambwe ko leka yo et que l'esprit no yo ko maîtriser te on a conseil gratuit. Eh bien voilà, j'étais en train de parler makambwana ya général Yav Moulang. Tout d'abord, ma camionne se zako concerné réforme oyo eza engagé na FARDC na biso. Tant que zolobe la FARDC, bato bazako kanisa ke bato bazo sala mingi mabe, ezali kaka ba infiltré ngo banani oto yebi wana parce que bele soko oyo ke infiltré o banyamulenge. Soko oyo ke infiltré o ba Rwanda wana ba utaka ba mouvement rebelle. Nous devons reconnaître que au fil des années, certains de nos frères ont fini aussi par adhérer na business au Israël ko salema na kati armée na biso. Les militaires ont fini par s'habituer à comprendre que guerre ezana ngote c'est de la farce. Biso pe le kola tolati tenu et que toza ko comprendre que business ezako salema, nous devons aussi être dedans. C'est comme ça. Dans ce climat-là que Joseph Kabila a eu à maîtriser l'armée pendant tous ces 18 ans. Les militaires, il y a classe, il y a Moulongo, dès que tu as un soldat, il y a Moulongo, il y a un homme qui a été. Parce que dans Moulongo, il y a un salaire qui a été mis en place. Et il y a un homme qui a été mis en place dans le mouvement rebelle, il y a une cause, il y a une haute trahison. L'argent, il y a des militaires détournés, des généraux et des colonels qui font le business. Des généraux et qui sont en collaboration avec des mouvements rebelles. C'est-à-dire tant que Azako Tchaye a géré ma opération, Azako Zoba ma opération, Azako transmettre carte nyonso et armée dans ma mouvement rebelle. Selon Denge Toyoki na ba Kokusu, le général Yav serait surpris na mama solo na ye na certaines personnes oyo bazali complices. Batu oyo bazali nuisible pona mboka na biso pona armée na biso. La deuxième chose c'est de trahir batu. Toki ndenge tozo ko beta masolo awa ya armée na biso. On parle de l'identification. Tant toka ki général porte-parole ya armée alobela ki le kambo ya identification eza ko salema na armée. Makambo ebele ezali ko bundama na kati ya armée na biso oyo bakoki ko lobela biso ouvertement te au nom de la logique professionnelle, ne pas étaler certains secrets dehors. Mais ils ont un macabre et c'est le cas à Batouba le Bakapé pour congolais à Sosola. Bitumba ou ils allaient au Bundama pour armée Nabiso et Zonga solo armée républicaine et digne de ces noms-là. Bas militaires rebelles n'a qu'à armée Nabiso. Bazali ba fiti ya Félix Tshisekedi. Dès que tu le Baka fiti na firme, le rôle à Bassassin Batou yoba. Bazako tala mutuna ba méchant. Pourquoi Félix Tshisekedi? C'est un blocage à leur business. Il y a des militaires qui ont construit de belles maisons, qui ont la bonne vie. Oyo bazako sala ba faire juter et bato tenu esa simple formalité honneur ya azala respecter soka zo le kanadip ne ba yebika za général. Mais
Nase, Ndokande bango nde pe bazali ko travailler pour que l'insécurité continue nango kokoba. Ce qui ba yoki ka ke balingi balongola bango ngambo yo ba mema bango ngambo yo, je vous dis et comme est grave. Mokonza mboka il faut akufa pona ko simba na bisika wana. Ce que tant toza ko lobali ka ba réforme awa. Boyoki yeti sekendi ba yebisa ki pa ba américain asa la ba réforme na kati armée banda kala wana zilaka nini. Bon, mutu bauti ko nomé sika yeyo ba pesier ebelé a poste kabakata na poste stratégique commandement militaire na kati place ozo vanda ozo tuna nga ozo tuna mituna na esprit mais asali na nini na kokoma wana si ona sina lobby wana mais ape déjà important ba u ba pesier opération ya makamulukolo itali M23 mais à peine ye wana na makala isali même pas 3 mois te Azana makala pour haute trahison. À qui doit-on faire confiance finalement au Congo? Oye na ba politique, trahison. Oye na armée, trahison. Na la police, trahison. Na ba service à sécurité. Mais toza quel genre de citoyen? Si koyo na modèle à mazita ya boye, vous voulez que Tshisekedi court comme un diable pour na couper sa bino ba résultat escompté. Batu baza pressé balobi Félix Tshisekedi aza kolabo pourquoi les réformes qu'on attend zo salango ta ko tchaba santo parce que ici ezo monana qu'il ne faut pas aller précipitamment parce qu'on ne connaît pas les états d'âme de certaines personnes talandenge nazo renchérir d'abord balamoko talandenge photo wana bozali komona wana ya général Nabiso décédé hein le général Tshinkobo commandant de l'armée du Nord Kivu, 34e région militaire. L'autopsie réalisée atteste qu'il est décédé d'empoisonnement au phénothiazine très toxique. Le chef du bataillon du quartier général de la 34e région militaire déféré devant la justice. Et ça passe, hein? Et ça passe. Si on a un modèle où Kabila a continué les sous-sous, si on a un Kabila a continué les sous-sous, on a un Tu ressembles à l'Ipana Balabala. Ce qui est Batoubalingi, ce qui est Batcheyoana, aux éternels. Bako Olongolate, Batchamoutoumoussou souté. Mazita, où est-ce en armée, n'a mis sur Batou Koufa. Tala tata Batou, Ndengazoua Koufa. Aussitôt, Bampoisonné yé. Parce que on atteste bien ici, selon ce communiqué-là, Moto Yobakangiao. Transfert des détenus. Hein? On met à la disposition pour la poursuite judiciaire de l'inculpé colonel Kaombo Rambo Augustin. Hein? L'inculpé poursuivi pourquoi? Pour empoisonnement du fait colonel de brigade de Tshinkobo Mulamba Ghislain en date du 13 au 22 et le fait général de brigade a été décédé en date du 16 août. 2022 suite au poison. Référence, réponse de l'autopsie du 10 septembre 2022. Document en annexe. N'est-ce que vous avez un document wana, si c'est visible parce que mon terre auto téléchargeant ou ezali un peu problématique. C'est-à-dire il y a une guerre qui se passe au sein de notre armée. Si Félix Tshisekedi va doucement. C'est pour éloigner de manière stratégique ba ennemi interne ya nation na biso. Bazali na armée, bazali na la police, bazali na DGM, bazali na ANR, ils sont dans tous les services de l'État. Tous les services, j'allais dire. Bazali batu oyo balingi te ke mboka avancer parce que bango bazali na bisika na bango basimbi fo baliela. Voilà qu'on a des pertes en vie humaine, ba nommer Moutou pour remplacer Bango Bakeyi Kole Laye, ba Vandelier, ba Lobiale. Oya Linko ya pour remplacer, biso ce qu'il va découvrir, tout ce qui se passe ici. Soi kaka Vandi ne Bongo Oumeli, biso toza mutakala, tout sera vu. Bande konangai bino batu boza ko wele la mbangu mbangu, vous êtes les adeptes des résultats rapides. Sachez que le Congo était assis sur des mines à cause d'un mauvais système de prédation.
Nos propres frères ont déjà basiki ndoki ese koti bango basingeza milai ko bandaka kana se ti na ba prédateurs internationaux Congo mobimbeza libulu ya ba prédation. Si on a un modèle, on a une vitesse, nommé Awa, nommé Kuna Salaboué, Salaboué. Mais c'est des hécatombes, c'est une cacophonie de bisoto qui a résulté dans la précipitation. Heureusement que le président de la République sache qu'il était, dès le départ, il avait déjà prévenu, depuis la campagne. Bon, attendre, il a été dans la nomination précipitée, dans le changement brutaux, parce qu'il savait la profondeur du mal. Le mal est si profond que Batwaza qu'on maîtrise banjeu mususuté. Quand Azaga retourne à Bino Bota la ga Bino Moko, tant ya nomination na tant oyo bazaka ko déférer mutu na haute cour ti ba transférer na makala pour haute trahison. Allez-y comprendre vous-même qu'est-ce qui s'est passé pour mutu le kandenge wana. Il y a certainement des choses qui se passent au sein de notre armée ce qui ba levo banda ko kanga batu mu ki Congo mo me koningana. Mais parce que la politique est au-dessus de tout, il y a des Congolais qui ont une mentalité réfléchie. Ceux qui ont une mentalité, ceux qui ont une mentalité, ceux qui ont une mentalité, ceux qui ont une trahison. Ceux qui ont opprimé, ceux qui ont une esclave, ceux qui ont un esclavage. Nous, ressortissants, de condamnons. Parce que nous avons un PPRD. Certains Katangé du PPRD ont commencé à faire. Non, la chasse au Katangé commence. Bah transférer François Béya awa dossier à François Béya lorsqu'il a été nommé bah tout n'a quitté où sont les gens de Kananga où sont les balouba si c'est des loua où sont ceci bah tout n'a même pas bah chef coutumier mais un dossier y a Moutou Azali haut fonctionnaire de l'État Azali na makambu ya minene point moko stratégique bino boye koko tango bolobi non ezali acharnement contre biso benaboye baza ko landela biso. Non, non, non et non. Avec cette logique, nazoye batte ce tozo kende wa. Mais ngaye lo nazo kamo ezali ke na stade to komi na trahison na mboka na biso parce que Kabila résiste là-dessus. Ba kabiliste belé bazali ko résister na secteur mingi ya sécurité. C'est ça leur point de résistance. Ba si ba komi sa ki certains généraux na ba colonel il y a FARDC, ba commissaire bango ba membre à parti politique na bango ba si ba commissaire qui certains colonels et généraux de la police ba koma qui ba membre à ba parti politique na bango l'année et tout là on en passe et koma qui déjà et komi biloko à parti politique na bango donc on pouvait dire déjà que c'est là qui le la parti état bazaki déjà ko ça la biswao. C'est-à-dire, les gens qui ont eu des promotions, bateau, banguindi, n'importe quoi, Kabila, dans l'armée, dans les services de l'État, c'était déjà des membres d'une famille politique. Et la guerre se trouve à ce point-là. Batouana, Bazali, qui travaillait dans l'ombre pour que Félix Tshisekedi échoue sur le plan sécuritaire, Baloba, que c'était un incompétent. Or, Félix Tshisekedi, dans le Bakiango Awa, si vous vous rappelez bien, devant le général, un accord militaire, c'est simple. Olingi ko ça la politique longola tenu l'attaque azaka na yo veste ça la politique musalo bino bozo ça les ba politiciens te le langage était fort Félix Tshisekedi parlait déjà à monagi déjà le mal au sein de notre armée mabeo ya kutina armée maintenant les gens qui sont si pressés nos FARDC les réformes Tshisekedi les gens qui condamnent Tshisekedi vous voyez un peu ce qui se passe dans notre armée c'est notre armée et a besoin de réformes. Notre armée a besoin d'être rajeunie. Il y a un travail qui doit se faire à travers le temps. Bao musu bazoti na bango na ba retraite. Ba mususu ba kokanga makaka ndenge baza kokanga bango na haute trahison. Parce qu'il n'y a pas moyen de les chasser sans preuve. Ba banda kokanga ma. Bino batu bozana banda ko nzambe bozo sambela lo banzambe benemi ya Congo tcha bango polele. Boma bango. Vous qui avez le courage d'être à genoux en train de prier là, sachez que vraiment le Congo est en combat. Na lobaki na émission le kaki que oyo ezali ko salema na Congo ba ennemi interne baza plus dangereux que bao baza externe. Ce que vous comprendre était baza dangereux plus que bao baza
à l'extérieur. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. La tâche, elle n'est pas impossible. Elle est difficile. Elle demande la compréhension de la peuple congolais. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Ma membre peut perdre une armée. Ma membre peut perdre un service de sécurité. Il y a certains qui, jusqu'à aujourd'hui, travaillent encore en intelligence avec l'ex-président. Lorsqu'il faut freiner, lorsqu'il faut faire quelque chose de mauvais, bah après, il y a quelqu'un qui est bloqué, qui tient un bâton dans les roues. Vous qui avez la conscience patriotique, na kati armée, c'est votre travail de dénoncer ces gens-là. Mbumama Bewana, tenue militaire, ils ont serment, ils ont vocation, moto andimi, service wana pour na patrie na yé, andimi liwa. Vraiment, j'ai parlé de cette deuxième information. Comment il est décédé? Et ça fait vraiment mal. Reprise des actions anti-MONUSCO, la société civile Nord-Kivu annonce qu'elle va organiser des actions de grande envergure à partir du 26 septembre pour exiger le départ de la MONUSCO. Ah, ça devient encore chaud. Suivez d'abord cette vidéo de ces membres de la société civile Nord-Kivu, révoltant d'ailleurs, et puis on revient. Condamnons fermement les propos de M. Guterres. Je comprends que lui, il vit en Europe, là où l'insécurité de notre pays se planifie. Avec ses propos, je n'hésite pas à dire que c'est les Nations Unies qui planifient l'insécurité dans les territoires de Rutshuru. Comment expliquer que les Nations Unies, tous les pays du monde, toutes les grandes puissances du monde, qu'un monsieur rassasié dise que le M23 a des armes plus que les Nations Unies, c'est regrettable. Nous sommes très déçus, nous sommes très désolés. C'est pourquoi nous allons prouver à ces Nations Unies que nous sommes capables de faire cette guerre-là. Il faut dire que, comme ils disent qu'ils sont incapables, les Nations Unies, de nous venir en aide, il n'y a plus d'importance de garder les Nations Unies dans notre pays. Parce qu'ils sont incapables. Et même viennent de le déclarer. Si les numéro 1 déclare, même cet MONUSCO qui est maintenant ici, je crois qu'il est grand temps que la population, nous allons être mobilisés. Après ce sitting ici, nous allons tous, la population, être mobilisés contre cette Nations Unies, contre cette MONUSCO qui est chez nous. Écoutez, sans raison encore une fois, parce que il vient de déclarer être incapable et que donc la seule solution à prendre, la seule direction à prendre, c'est que nous allons voir tous ces casques bleus, ces touristes, mais là comme ils sont pris à mesure, emballer leurs effets et chacun retourner dans son pays parce qu'ils ne sont plus capables de faire face à M23 et qu'ils nous laissent nous-mêmes ces M23 comme elles savent les armes qu'ils ont. D'ailleurs, il faut même poser la question, un monsieur qui vit aux États-Unis, en Amérique, M. Guterres, comment il a su que le M23 a des armes qui sont spéciales, puisque le monde entier, les États-Unis, la Chine, la France, l'Angleterre, la Russie, tout ce monde-là n'ont pas des armes comme celles du M23. Ça veut dire, lui connaît les armes qu'il donne à ce M23 et nous allons prendre nos responsabilités comme Congolais. Ces gens-là, nous allons nous occuper d'eux, nous comme Congolais. Nous allons... Voilà, vous venez bien de suivre notre frère de la société civile qui a parlé par rapport à la MONUSCO. Certainement des propos contraires à ceux de Denis Mukwege qui pense qu'il ne faut pas précipiter le départ de l'ONU. Il faut. Batou Bolanda qui peut Denis Mukwege, il dit le contraire. Notre futur candidat président de la République, choisi par certains professeurs d'université qui le trouvent très intelligent à la hauteur pour gérer les affaires de la République. Il aime ramené paix. Mobilisation Oyo, Bato, Bapie, Jacabiso, tout le temps, ils ont besoin beaucoup plus de nous voir passifs qu'actifs. Biso, si ma message na biso soi bazo salama be, biso to vandi le roi to zo talaka baonkaka. Basalama lam au Congo, personne ne réagit. Mais chaque fois que nous,
Nous avons le temps et à côté les mains. Ma cambébélé, comme ma compliqué pour la banque. Ya moninga na bela kana beta ka CT na zo belela chaque fois na émission oyo ko loba ete nous congolais si nous savons ce que nous voulons c'est facile que to zo ango avec la volonté mais tant to zo kansa ke o biso to ko sala batu suba ya sala mona place na biso là nous rêvons debout. Félicitations na bande ko na biso société civile ba société civile o ezaba parti politique te na kati en gestation non. Des sociétés civiles où tous en avons besoin, ils allaient bateau, ils allaient des antécédents, ils allaient des calculs politiques. Non. Ça bateau, ils allaient capable à éveiller tout un peuple lorsqu'il y a un problème sans avoir des drapeaux à des partis politiques pémbéni. Et ils allaient être l'événement créé par un politicien pour avoir des dividendes après. Alors, bangai, des mutunabeli là qui bangoba bima. On dirait bantabanayo, yo mutopesa qui bangordre ba bima. Et ça peut y aller louche à tena filin bipo na po ka bakende ko beta kokoko et pas ambassadeur côté mboku mbongo et bimelaka pour balo bake voilà nous sommes parvenus à faire le travail pour lequel vous nous donnez les moyens. Non, ça c'est une affaire du Congo. Comprenons que la mission de l'ONU a failli et que chaque fois nous devons leur dire ma belle zaya binote boka na bisaka. On attend le discours du président de la République Ayi Bisabango clairement na tribune à Nations Unies. Le pourquoi, ce que le Congolais pense, parce qu'on en a marre, on en a assez, ils veulent nous museler, tout le bagaté, ils ont une décision en place. Ils ont déjà compris que, face au Tokoti, les Congolais veulent se libérer. Alors il faut multiplier des stratégies pour les amenuiser davantage. J'ai parlé toujours tout au long de cette émission. Il y a Makambwetali, ma travaux à construction, il y a bâtiment où il y a arbitré siège à ministère de la Défense. Il y a une émission qui a dit que nous avons eu le mot de l'Embalé. Parce que nous avons eu le mot de l'Embalé, nous avons eu le mot de l'Embalé, nous avons eu le mot de l'Embalé, la scène politique congolaise. Il y a des gens qui continuent à travailler pour semer la cacophonie. Pour ténèbres et continuer à régner dans le Congo. Molière Lembalemba, deux reprises, est venu pour dire que quand Kokolubasi va te qui va zélo ya monaki. Tu es bité, à soi qui taille, à retourner ministre intérieur, ministre de la défense, à tout nagito, à tout nagite, tu es bité. Mais va répondre, le ministre de la défense est descendu, comme vous verrez dans la vidéo, à Kiti, pour na kokende ko superviser les travaux. Suivez d'abord cette petite vidéo et puis nous revenons. Et la frustration d'une frange de la population face aux résultats peu probants des Nations Unies, force est de reconnaître que le partenariat avec les autorités congolaises n'a pas non plus rendu la mission de l'ONU facile. Pourtant, nous invitons nos compatriotes à ne pas se tromper de lui et nous pensons qu'il ne faut pas encourager un retrait non responsable et précipité de la mission onusienne. Et ici, je l'ai dit en toute responsabilité. Je sais que ce n'est pas populaire, mais nous devons être responsables et nous devons éviter de jouer le jeu des ennemis de la paix en République démocratique du Congo. On voit très bien. On voit très bien que cette question lance certains de nos responsables politiques dans un populisme que je considère complètement irresponsable, car le vide que peut laisser les forces des Nations Unies, même si elles ne sont pas efficaces, serait de nature tout simplement à favoriser le chaos total à l'est de la République démocratique du Congo, et ceux qui souhaitent ce chaos total auront les libres passages de pouvoir continuer à exploiter notre pays.
Ben voilà, vous avez vu, dans la vidéo, que dans le cas de Kotonga, ministère de défense, siège à ministère de défense, dans le bâtiment Moussousou, où il y a arbitré le bâtiment Moussousou administratif, il y a armée. Mais, le cas de bande qu'on a mis, on a calculé dans le bâtiment, ils ont dit que moto est pelé dans Kinshasa. Tata Wana qui est mieux placé. Peut-être que si vous avez des informations, Wana, je dois faire beaucoup d'exercices. Mais en tant que lui du peuple, il avait à sa portée tous les moyens possibles pour Kende, Mais comme l'intention c'est de créer la manipulation, la diabolisation, pour créer trouble, avec la TV, de télévision, pour inculquer quelque chose dans l'opinion. Voilà, quand Kokolo Bateki, Batouana Baza armé, Boyebe Loko Bozo Lugate, c'est que Bango Baza na projet na Kan Kokolo. Projet na Bango Eza Bolibo créer rébellion ya Sika na Kan Kokolo. Parce que certaines informations ne sont pas à négliger. Biloko Eloba Magakaka Boye, mais il faut toujours savoir que l'an de la moto Aza Koloba Biloko pour ce que les Kamboye, Boyeba. Mais Balaki Sié, avec Félix Tshisekedi, il va continuer à faire le ministère de la Défense, il va se siéger dans l'entreprise arabe. Et vous verrez que le travail est à grands pas. Tout le monde bilan. Certainement, pour certains, ils ne pensent pas qu'il faut normalement bilan pour tout le monde bilan. Bien, il faut d'abord assainir. Administration congolaise, ba bâtiment ya batu, bisika bato bazali ko organiser makambo eza ndenge nini. Aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, on sait que d'ici la fin du mandat, on aura un bâtiment vraiment digne de ce nom, il y a ministère, il y a défense. Et ça peut être un point moko stratégique et qu'on permettre que base wana logistique makambo nyonso, si on veut encore moderniser, on va encore ajouter beaucoup de choses. Mais le cola bando qui bazali ndenge bolanda qui est bumoni côté ya linga qui a mis la macabre. Nazo sukisa na likambo policier oyo abimi hero, ce policier là a sali vraiment tour ya Congo. Tout le monde le félicite. Je pouvais pas passer vraiment sans aussi moi aussi le féliciter. C'est un policier a commis vraiment hero pour na ngai na kanti vraiment ba banda ko prendre ba policier nyonso ndenge nini ya ko maîtriser ka bakulu na boni. So kuluna yebi ke devant policier a simbi lichette a otika la lokolondam ba musuba osakanate. Nous avons vu des vidéos aux États-Unis d'Amérique. Un originaire congolais ba betie massa c'est pas soda. Abeti ku soda ma kofite a simbi la ku soda lichette te. Kaka denge ba zo landa zo kima. Ba moni ke tete te pona bango a komi dangere. A maîtriser a betie massa. Le procès aura en cours. Mutwana ku tazaki ne menu. Monsieur Zoukouta Bimissa Kaka Soki et Loko a joué à se retrouver massacré dans Zoto Akoufa. Mais Oya Bisso, tout le monde a dit récemment, les policiers ont été en train de se faire sur le Fongo, le Passoli. Moi, je suis dans la vidéo, je suis parce que ils allaient contre les professeurs, ils allaient tout côté. Mais le Passoli, les policiers, ils ont été en train de se faire. Anormal. Selon Moussala, les policiers, ceux qui ont été en position légitime de défense, ils ont face à Moutou, ils ont utilisé l'arme, ils ont droit de maîtriser sans lui ôter la vie. Vraiment, c'était très professionnel. Et puis, pour moi, ils ont coulé dans des professions, ils ont été en facilité. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en. Moi, je pense que dans le stade, il faut recruter. Dans le stade, il faut recruter des policiers moralement compétents. Et puis, sur le plan aussi, niveau d'études, base à la hauteur. Parce que dans un état de droit, avoir un policier analphabète, ce n'est pas aider la population. Et comment tu es au Kale, monsieur, vous êtes en état d'arrestation, voilà, voilà la convocation. Vous venez vous présenter et comment kala. Donc ayez obimisa mutu na ndako na ye sans papier a bendie ndengwa na ke kotika ye. Na epe mutu ba obenda ba ke kotika ye ayebi na ye kutute
ni les gens à Katia Kolekawana. Vraiment, l'image que vous voyez de ces policiers, vraiment, tout à Moussango partout. Bisonyon Soto, c'est Pela qui est au lobby, Bajeno Balekisi, c'est aussi une façon d'alerter Bango qui est au Meki. Au tika les nanos handicapés à vie comme ça au salaka kuluna na kikoka soko aussi malicieux tina kikoka au salaka ngo. J'arrive à terme de cette émission, j'étais très content de vous savoir nombreux. Boza ebele bolingaka émission de bou congolais pour être et révolta rabino et maka basango ya mabete ya malamu pe bison stoza ba congolais souci ezak et toza la faire de na motema vraiment na cadre ya debou congolais na cadre ya éveil patriotique génération debou congolais lingi. Tout repenser éducation et bana na biso, c'est-à-dire patriotisme, il faut les enseigner, soit les enseigner même na libumu, puis ils s'arrabana na biso, hymne national, puis patriotisme, il faut tout ça là quand même. Soit ils enseignent après que hymne national est bête quand on va maternité, tant bana va obotama, on a quand il faut tout ça là quand même pour conscience à congolais, ça là qui moka va défendre quand même, va couper la quand même. C'est pour là qu'une émission où la seule façon pour vous d'être membre de la famille debout congolais, c'est de vous abonner, de partager nos émissions, surtout envoyer vos commentaires, n'hésitez pas de liker. Je dis merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, de Ndekombi à chaque fois à l'émission Oyoikomanabitandonabino. Merci à papa Jean-Louis Timbalanga, merci à maman Lisette Mombendou, papa Boniface Mpunga. Je n'oublie pas l'ONIP. Na okata te sona sili so ONIP te na lobi ONIP na koya na ngoma kasi parce que biso de père et de mère kaka. Identification est vraiment important. Merci na DG Richard Ilunga. Vraiment, na sepela ki mingi ndenge bozo tia biso maboko. Je vous dis au revoir. C'est dans l'unité et dans l'amour que nous allons construire notre très et cher beau patrie. Royal Hands Foundation. Médicaments directs. Envoyez-nous l'ordonnance de votre proche depuis le Congo RDC. Payez en ligne. Nous irons la chercher à la pharmacie. La livrerons directement à votre famille en moins de 24 heures. Visitez notre site www.royalhandsfoundation.com. Téléphone plus 44 73 05 94 65 59 plus 243 900 064 326 plus 44 73 05 86 94 88. Royal Hands Foundation, médicaments directs.